Saviez-vous qu'Amazon à la fois a des catégories restreintes et des restrictions de catégories? Eh bien, tout cela peut rendre les recherches de produits vraiment déroutantes. Sur quelle catégorie devriez-vous vous concentrer? Plus important encore, quelle catégorie devez-vous éviter? Eh bien, dans cette vidéo, en ce jour, nous allons éliminer toutes les restrictions d'Amazon et leur impact sur votre prochaine sélection de produits. Et je vous suggère de rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donne mes catégories préférées personnelles, dans quelle catégorie de niche j'aime regarder personnellement et pourquoi. Mais avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus donc récurrentes et évolutifs, donc croissantes sur Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Et bien pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Maintenant, j'ai mis aussi en description mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Bon, c'est un livret qui se lit simplement. Vous aurez aussi... c'est incessamment sous peu une mise à jour. Alors allez-y, profitez-en donc de cette version et vous aurez une nouvelle version pour plus tard. Maintenant, je vais commencer ici donc le sujet, à savoir les restrictions de catégorie et les produits restreints sur Amazon. Alors je vais commencer d'abord par les restrictions officielles. Donc, ces informations viennent d'Amazon elle-même. Ce sont les catégories restreintes. Ils sont également connus comme les catégories fermées, gated en anglais. Et si vous avez déjà entendu ce terme, je vais vous donner ma liste de restrictions personnelles également. Alors, mes restrictions personnelles, en fait, ne sont pas officiellement mentionnées par Amazon, mais sortent en fait des études que j'ai personnellement menées dans ma propre expérience de vente sur Amazon FBA et aussi à l'issue des discussions en visioconférence avec plus d'une centaine de vendeurs ou futurs vendeurs au fil des ans. Donc, du côté officiel, nous allons commencer par les restrictions au niveau des catégories. Alors, ce sont les restrictions générales pour tous les produits qui entrent dans cette catégorie. Donc, du côté officiel, commençons par les restrictions au niveau des catégories. Alors, ce sont les restrictions générales pour tous les produits qui entrent dans cette catégorie. Vous allez avoir besoin d'une approbation pour vendre un produit de cette catégorie. Donc, nous voici dans une liste donc des restrictions pour les États-Unis, par exemple. Et là, vous pouvez voir notre catégorie de produits ici. Vous pouvez voir les conditions dans lesquelles ces produits doivent être pour être vendus dans cette catégorie. Puis, vous pouvez voir également si l'approbation est requise ou non et également les directives de vente qui sont cliquables ici. Et je vais laisser toujours systématiquement des liens en dessous de la vidéo pour vous. Mais aussi, vous pouvez m'envoyer en fait un email et je vous envoie aussi l'ensemble des adresses, donc des adresses URL par mail. Alors, vous aurez aussi le mail, bon, quelque part sur mon site web. Voilà. Alors, ici, vous pouvez voir ici, je défile rapidement et vous pouvez voir les catégories qui sont réellement nécessaires et celles qui ne sont pas. Alors, dans cette colonne, si donc la mention « oui » est présente, donc la catégorie nécessite une approbation. En d'autres termes, c'est une catégorie fermée. C'est donc notre première page ici et je vous donne aussi la liste pour la France. Vous pouvez voir à nouveau la catégorie de produits ici, les types de produits qui s'y trouvent, les conditions et si l'approbation est réellement requise. Et encore une fois, je vais défiler lentement. Vous pouvez faire une pause, y jeter un œil. Encore une fois, je vais vous laisser des liens.
Donc, pour pouvoir entrer dans les catégories, Amazon évalue en quelque sorte, en fait, certains aspects différents. Mais le plus important est votre historique des ventes. En d'autres termes, vendez-vous et depuis combien de temps? Alors, disons que vous êtes un nouveau vendeur. C'est évidemment un problème. Mais en général, une fois que vous avez réellement commencé à vendre, ce processus d'autorisation de vente devient beaucoup plus simple et vous pouvez généralement vous en sortir pour plusieurs catégories. Et une fois que vous avez le bon antécédent de vente, eh bien, comment pouvez-vous vous en sortir? Eh bien, l'application est en fait assez simple. Vous avez ici, en fait, sur ce site web, le déverrouillage tout simplement des catégories de produits. Voilà. Alors, lorsque vous suivez tout ce processus, eh bien, des fois, c'est simple. Vous débloquez facilement, en fait, la catégorie. Mais, des fois, c'est compliqué. Il vous faut, en fait, donc, plusieurs étapes pour valider donc les catégories sur lesquelles vous souhaitez vendre vos produits. Je vous donne par exemple un exemple ici. Alors, ce site, donc I'm Dimes Scout, propose en fait un blog ici, donc une capsule de blog qui décompose tout ce qui est nécessaire pour débloquer différentes catégories sur Amazon US. Et bien, vérifiez aussi si c'est compatible pour Amazon France. Hein. Voilà. Alors, vous pouvez essayer de voir si cela fonctionne aussi pour d'autres marketplaces. Et vous pouvez voir, par exemple, dans la catégorie automobile. Alors, il est dit ici que pour être autorisé à vendre dans cette catégorie, eh bien, vous devriez avoir votre propre site web. Vous devez aussi utiliser des images conformes, des codes UPC, donc c'est l'équivalent des codes EAN aux États-Unis. Etc, etc. Mais cette page va décomposer tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour ne pas être restreint dans votre catégorie que vous regardez. Donc voilà, vous allez vérifier ici pour tous les détails plus en profondeur et les restrictions de au niveau des produits et des catégories aussi. Voilà, et voici maintenant ma liste non officielle de catégories fermées. Tout d'abord, les produits dépendants de l'utilisateur. Et je sais que j'en ai parlé. Mais si les performances du produit sont largement basées sur l'utilisateur et ce qu'il fait, eh bien cela peut souvent entraîner de nombreuses critiques négatives. En particulier si le produit est difficile à utiliser. Là, c'est même pas la peine. C'est donc quelque chose dont il faut être conscient. Alors, le numéro 2 concerne les produits dépendants de la taille. Et c'est là que vous prenez tous les produits et vous mettez de côté tout ce qui est vêtements, chaussures, etc. Et parce que, tout simplement, cela va diviser votre MOQ, donc Minimum Order Quantity, la quantité minimale de commande. Donc, au lieu de faire, par exemple, 1000 unités d'un produit normal standard, vous en faites 300 petites, 300 moyennes, 300 grandes. Et bien sûr, cela peut rendre l'offre aussi bien que les réorganisations donc de votre boutique plus difficile dans lesquelles, en fait, il faut toujours commander davantage. Et vous ne savez pas trop dès le départ quelle unité il faudra commander en plus que telle unité. Mais ce qui est sûr, c'est que deux catégories de votre niche, donc bon, deux variantes de votre niche sur les 7, 8, 9, 10 variantes vont simplement fonctionner. Voilà. Donc, c'est plus un risque qu'autre chose. Et en plus, vous devez utiliser un jetin différent pour chacune des variations. Donc, c'est en fait un moyen assez coûteux de vendre si vous utilisez des codes barres GS1. Le numéro 3 est l'électronique bon marché. Vous allez trouver beaucoup de produits potentiels en électronique, mais faites attention aux appareils électroniques bon marché. Ils sont assez courants et cela va bien sûr entraîner de très mauvaises critiques si le produit n'est pas bon. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le faire, cela signifie simplement augmenter la qualité et plutôt opter pour un article plus coûteux.
Et si elle est de meilleure qualité et coûte plus cher, eh bien, c'est beaucoup plus durable que d'aller de côté des produits à bas prix. Alors, le numéro 4, c'est une sorte de lien avec le point ci-dessus. Eh bien, ce sont les produits qui dépendent d'une application. Bon, nous avons tous eu cela pour les produits connectés. Mais l'application est vraiment terrible. L'application rend simplement l'utilisation de ce produit dépendante et des fois mauvaise. Mauvaise pour les relations surtout, donc clients et vendeurs. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous assurez que lorsque vous allez utiliser des applications avec vos produits, eh bien ces applications ont vraiment intérêt à être bonnes, qu'elles fonctionnent réellement et que vous les appréciez. Sinon, les clients ne les apprécient même pas. Donc, cela se résume clairement à une inspection des produits, donc une inspection complète déjà, et à combien vous allez tester ces produits. Et cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le faire. Assurez-vous simplement que vous obtenez une tonne d'échantillons et que vous appréciez le processus d'utilisation de ces produits. Ensuite, le numéro 5 concerne en fait les produits étanches à l'air ou gonflable. Tout ce genre de produit, bien sûr, va avoir besoin d'une tonne d'inspection. Car s'il fuit de l'air ou de l'eau, pire encore, cela signifie peut-être de protéger un produit coûteux que le consommateur a déjà. Vous vous mettez dans une situation précaire si ce produit échoue. Donc ces produits, assurez-vous d'avoir un fabricant fiable et un bon processus d'inspection. Alors, le numéro 6 concerne les produits pour adultes et le chanvre. Eh bien, la seule raison pour laquelle ils sont sur la liste ici est qu'ils manquent de capacité en publicité sur d'autres plateformes. Par exemple, Facebook ne vous permettra pas de faire de la publicité pour ce type de produit, ce qui limitera vos capacités en publicité externe et hors d'Amazon. Bon, encore une fois, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le faire. Mais dans l'ensemble, avec ces deux types de produits, restez vraiment prudent. Si votre stratégie principale est de la publicité externe, vous allez donc avoir beaucoup de soucis avec ce type de produit. Ensuite, le numéro 7 concerne donc les produits fragiles. Bon, je pense que c'est évident. Beaucoup de gens donc avertis dans l'e-commerce ou moins vont l'éviter également pour les raisons évidentes. Mais pour les nouveaux vendeurs, le réflexe de les éviter ne viendra probablement pas tout le temps. N'oubliez pas que si le produit est fragile, eh bien, il pourrait se casser assez facilement et ces produits doivent être expédiés assez longtemps, doivent suivre en fait un processus d'expédition. Donc, soit par la mer, soit dans les airs et soit sur la route tout simplement. Le souci, c'est que dans tout ce processus d'expédition, eh bien, le risque devient de plus en plus élevé. Plus vous changez de voie d'expédition, vous passez de la mer à la terre ou à la voie ferrée, plus le risque de casse en fait augmente tout simplement. Donc voilà, votre emballage devra, donc si vous souhaitez entrer dans ce type de produit, vous avez intérêt à ce que votre emballage soit extrêmement fiable en termes de protection de ce type de produit. Et huitièmement, les produits potentiellement dangereux. Donc voilà, on les appelle en fait les produits hazmat sur Amazon. Et il y a certains produits qui semblent vraiment sûrs à leur valeur intrinsèque lorsque vous les recherchez. Prenez par exemple ces oreillers de coin bébé ou même juste des compléments alimentaires. Ce sont des choses qui pourraient vraiment avoir un impact positif sur les gens ou un impact négatif. Et là, ça pourrait être potentiellement dangereuse et vous voulez juste faire très attention à ce genre de choses. Assurez-vous
que vous êtes vraiment un expert dans ce domaine et vous devenez un expert dans tout ce que vous allez vendre dans ce type de produit. Voilà. Et numéro 9, toutes les catégories pour celles et ceux qui ne cliquent pas sur le bouton j'aime. Et sur une note plus positive, mes catégories préférées. Maintenant, cela met de côté les restrictions. Je vais juste ici vous donner quelques-unes des catégories que j'aime vraiment fouiller et les raisons pour lesquelles je les aime. Alors, le numéro 1 est le commerce, industrie et sciences. Donc, pas de surprise là-dessus. Si vous avez regardé mon contenu pendant un certain temps, voilà. Alors, moi, j'aime particulièrement cette catégorie car elle est moins visible que les autres catégories courantes comme les animaux domestiques ou cuisine et maison. Ensuite, ils bénéficient également des frais de vente Amazon de 12% par rapport aux frais de référence de vente en fait de 15%. Et cette catégorie regorge d'une gamme diversifiée de produits. Des choses auxquelles vous n'avez jamais pensé et plus important encore, ce sont des choses auxquelles vos concurrents n'ont jamais pensé. Si un vendeur ne sait même pas qu'un produit existe, il ne cherchera probablement jamais. Et cela représente également une opportunité pour vous. Une concurrence réduite dans certains domaines industriels et scientifiques. Le numéro 2 ici et concerne en fait les accessoires, photos et caméscopes. Alors, cette sous-catégorie en fait bénéficie des frais de référence, donc des frais de vente fous de 8% sur Amazon, qui sont à nouveau en baisse par rapport aux 15% de référence et cette catégorie en fait ont des acheteurs passionnés. Bien sûr, les gens sont très enthousiastes à propos des caméras et s'ils sont dans cette niche, ils sont prêts à payer beaucoup pour les accessoires car l'équipement de caméra lui-même est très cher. Donc, ils sont prêts à payer beaucoup pour les accessoires de protection, par exemple, de cet équipement. Donc, cela représente également de nombreux marchés mobiles haut de gamme. Le numéro 3 est l'automobile et il bénéficie donc à nouveau des frais de référence de vente Amazon à un taux de 12%. La catégorie a beaucoup de produits automobiles étranges et de produits automobiles de niche et une large base de fournisseurs. Donc de nombreux fournisseurs fabriquent des produits dans ce domaine et cela signifie également que vous aurez de nombreux développements cohérents dans ce domaine car elles se portent également très bien pour les raisons des cadeaux, en particulier pour les hommes. Cette catégorie est fermée mais assez facile aussi à déverrouiller et une fois que vous y êtes, eh bien cette barrière présente également une barrière d'entrée et votre concurrence est aussi faible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous appréciez toutes les informations de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book des 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez avoir dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite, vous aurez une astuce pour négocier, pour discuter avec vos fournisseurs préférés. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.